3, 2, 1. Eh bien, c'est tout le monde sur la bonne. Donc aujourd'hui, on se trouve pour Resident Evil 7. Tout simplement, Resident Evil 8 sort vendredi, si je dis pas de bêtises. Je me suis dit pourquoi pas se lancer dans un petit live, enfin dans un petit live, dans un petit let's play. Oui, je sais qu'à côté, il y a quand même The Last of Us qui n'est toujours pas fini d'ailleurs, que j'essaie du coup de rattraper où est-ce que j'en étais. Et il y a également du coup en live que je fais The Long Dark, qui continuera bien évidemment la semaine, enfin la semaine prochaine, mais dans 2-3 semaines. Parce que actuellement j'ai des examens, mais je peux en fait entre temps tourner du coup en fait Resident Evil 7 et je pense vous faire plus tard après Resident Evil 8. Donc alors ah c'est assez stylé, j'aime beaucoup. Alors autre, je crois pas avoir de DLC. Ah oui, continuer, alors c'est normal qu'il continue, c'est qu'en fait tout simplement j'ai voulu faire un test etc au niveau du micro pour voir si c'était tout ok et tout. Donc tout est ok pour l'instant, on y va. Salut chérie, je voulais juste te faire un petit coucou et te dire que je t'aime. Oh, bonne nouvelle, je vais bientôt rentrer à la maison, oui! J'ai hâte de rentrer, de finir ce travail de babysitting et de retrouver mon mari adoré. Tu me manques. Oh, faut que je retourne travailler. Je t'aime, Ethan. Tu me manques tellement. Je t'embrasse très très fort. À très vite. Tu avais raison. Je t'ai menti. Je n'aurais pas dû, mais... Tout ce que je peux dire, c'est que si tu as ceci, reste à l'écart. Salut, c'est Ethan. Ça va? T'es parti comme un voleur l'autre soir. Ouais, je sais, ça va. Ça va. C'est Mia. Elle est pas morte, elle est vivante, elle est de retour. On l'a retrouvée? Que comment? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, écoute. Je sais pas comment. Mais elle est revenue d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être des conneries, mais... Elle veut que je vienne la chercher. Elle est où? Delvy. Delvy en Louisiane. Je sais, mais si c'était bien elle, je vais en avoir le cœur net. Ok, on peut contrôler la vue. Tac. Donc on contrôle Ethan Winter, un truc dans le genre. Ethan Winter, c'est bon, je sais plus son nom de famille, qui part à la recherche de sa femme, Mia, qui faisait du babysitting en Louisiane. Ok, excusez-moi. Petite coupure, comme d'hab. Ah putain, ça me fait trop peur! Putain. D'accord, pour se protéger, c'est comme ça. J'en aurais besoin. Le jeu après est pas non plus de 2020, il est de 2000. 17 je crois. Pas de conneries. On est bien 3 ans. Oh. Retrouver Mia. Déjà petit fichier. Ah non, 2017, donc vous attendez pas non plus. Et après il est cool, enfin. Je crois que je l'avais vu en let's play, je crois, un truc du genre. Ou enfin. Non, c'était si fameux qu'ils en arrivent, moi je pense en plus. Et le jeu de Mia. Ok, c'est close. Donc, bien évidemment, après Resident Evil 8, ouais, l'accent anglais est incroyable, sera beaucoup mieux. Au niveau graphisme, c'est pas Mia ça par hasard? Il y a une équipe de tournage là. Je n'étais sûr. Join us.
Ah merde, j'ai pas lu, pardon. Sweeting a top, épisode 17, proposition de projet, s'introduire dans une maison fantôme en Louisiane. Ah d'accord. C'est style de rien. Je vais me comprendre. Accepte son don. Donc qui? Dégage. Ça c'est une sorte de... Qui c'est qui peut faire ça? Il y a du style JD. Alors, Babs. On peut courir. Je suis dit comme c'est visible. Alors lui, je crois que j'ai déjà vu. C'est l'un des boss si je dis pas de conneries. Il en a pause, hein. Il a disparu, mais... Oh, jolie marée. Je parle pas de la... De marée. Bah, d'accord, ok. Je sors. Au revoir. Et bah non, c'était une blague. Attendez, quand même, je tiens à finir ce jeu. C'est des humains. Alors c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'arrive pas à savoir si c'est des humains ou des animaux en fait. Hop, on passe en dessous. On fait un petit. Je sais pas comment ça s'appelait le jeu où il fallait passer sur un bâton. Ça fait des coups. Putain, mes nouvelles sneakers, c'est chier quoi. Oh, on voit nos pieds, mais rien qu'en marchant. J'en ai niqué quoi. Ah. Qui veut un gratin de pigeon? Je prends les ailes perso. Petit feu de cône, ils sont bien plutôt. Tranquille et tout là. Ah, un sac à main. Ah, là. Pas de conduire. C'est une mire. Attendez. Peut-être d'autres choses à inspecter. Bon là normalement je suis en train de tout faire tomber comme un gros connard. Donc ces affaires ont été brûlées, d'accord. Oh la maison a l'air pas du tout rassurante. C'est typiquement la maison où t'as vraiment envie d'aller en vacances et tout là. La balançoire idéale, c'est qu'un mouton. Moi tu poses un truc? Ouais c'est moi, ouais. Je vais pas passer toutes les vidéos à faire ça. Ah, je peux y aller si. Ouais non. Je peux pas y aller. Ah ça, j'ai oublié cette touche. Ah, c'est grand ouvert. Et... Bonsoir. Oh, t'es au moins dit au revoir. Ah bah non. Attends, c'est... J'ai un de prospectus, témoin de Jéhovah. Plus que merde, là, mec. Maison qui pille. Moi, je me chie dessus, littéralement. Je me souviens, je crois que j'avais. Pardon, je sais pas si je vous souvenez, mais je crois que j'ai testé la démo, si je dis pas de conneries. Avec le permis. Clac, MacGyver. Ouais, je suis des séries des années 80, alors. C'est quoi? Je sais pas du tout. Ah, il faut un truc, il faut une clé. Qu'est-ce qu'on mange de bon ce soir? Bah nickel, des cafards. Merde! Merde! C'est délicieux. Ah, qu'est-ce qu'il y a au micro-ondes? Du corbeau. Putain, mais ils adorent corbeau cette famille. Dans cette maison. Oh la vache. Je n'attends pas que le corbeau. Oh, un informant décapité est mort. Joli tableau. Sympa. Je vais mettre une étoile sur Trapide Vazor. L'ambiance est là, mais les convives ne sont pas présents. Les convives, les autres, pardon, ne sont pas présents. Ah, ça c'est le sous-sol typique dans Conjuring. Conjuring c'est... Non, Insidious je crois. Non c'est Conjuring, c'est Conjuring. Tout le monde sent pas les couilles sur la gueule en fait. Mec pas du tout conflant avec ses... C'est Mia. Attends, on dirait qu'elle est droguée en max quoi. Ça c'est qui?
Ah, c'est le. Il a qu'on a eu tout à l'heure. Il manque un fusible. Non, j'ai pas. Il manque un fusible. Oh, je peux jouer du piano, des bouts. Ah, bah non. Pas que je joue du piano. Pourquoi? D'accord, faut que je trouve une cassette. Il y a beaucoup de choses à trouver. C'est quoi ça? D'accord. Un message derrière, non? Oh, la belle famille là. C'est sûrement les propriétaires. Ouais, enfin j'espère qu'ils sont. Enfin, ils sont comme ça, quoi. J'espère qu'ils sont contents, tout simplement. Alors, je vais pas vous mentir que je crois que je. Attendez, j'ai fait du coup la démo, il me semble qu'il y avait une sorte de trappe ou un truc dans ce genre ici. Pour accéder derrière à la bibliothèque. Mais je suis pas sûr. Est-ce que c'est que dans la démo ou est-ce que c'est également là-dedans? Je ne sais pas. Non, c'est fermé. On force. Eh ben, il n'y a que là où je suis pas allé. Si peut-être les étagères, non, il n'y a rien dedans. Je suis pas allé là-haut, donc let's go. Il y a quelqu'un ici? C'est quoi ça? D'accord, c'est là où tu branches tes. Enfin, tes. Tu peux rebrancher là, tu ici. Les prises anglaises. Ah, il y a la cassette. Ça à quoi ça? À sauvegarder, yes. Petite sauvegarde, voilà, petit moment sauvegarde là. Avant de se chier dessus, voilà. Ok. Et bah du coup on va aller lire cette cassette de ce pas. J'imagine. Ah, attendez. J'ai mis aussi dans le tiroir. Y a rien du tout, y a. On dirait de la cendre, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On ferme au cas où derrière nous, hein. Toujours fermé. C'est important. Ok, il veut pas fermer. T'es un suicidaire, Ethan. T'es un suicidaire, bordel. Vamos. Petit film, petit Winnie l'ourson. Où t'as trouvé ce type? Lâche-moi un peu, Pete. Hé, hey, je bosse qu'avec des professionnels. Oh, D'ailleurs, je vais comprendre. Arrange-toi pour que le son soit correct cette fois-ci. Je veux pas un remake d'Amarillo. Mec, c'était il y a 2 ans. Je me tape pas le doublage. Je viens de comprendre, c'est les. Enfin, c'est. Vous souvenez, ouais. Oh là, je le sens pas. Yes. Tu sais que je suis à côté encore. Alors, sois pas étonné si on doit le virer. Nouveau plan. D'abord, on fait un tour à l'intérieur. Et ensuite, on tourne l'intro. Comme d'habitude, quoi. Ah non, c'est l'équipe qu'on a fait le l'émission cette fois, hein. T'inquiète. Le fourgon, on a Ce vu. Soir, dans Sewer 14, un autre troupeau paumé sans intérêt. Ça te va? Souvenez-vous, dans le fourgon, il y avait une sorte de prospectus avec ces 3 persos. Enfin, imaginez que on joue un des 3 du coup. Bon, c'est pas. Mais en fait, ils auront jamais rendu leur truc. C'est pour ça qu'il y a des. Oh putain, les mecs viennent comprendre maintenant. Inception. Est-ce qu'on tourne? Ok, on y va. Ok, vas-y. Ok, reviens. Laisse-moi faire. Non, mais donne. C'est bloqué. Plus maintenant. Après toi. Alors, c'est quoi l'histoire aujourd'hui? Tu te prépares jamais. Préparer quoi? Une baraque pourrie, des bruits étranges? Oh, elle est hantée? Les plus scantonnés, comme on dit. Tiens, merde. J'étais présentateur, moi. Remplaçant le week-end, Pete. Seulement remplaçant. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Il lui pétait la gueule. Ah, c'est l'armoire. C'est quoi l'histoire, André? Une ferme abandonnée, une famille disparue dans des circonstances suspectes. La routine. Tu dis que ça fait combien de temps que la maison est abandonnée? 3 ans. Ah! Hé, hey Clancy, filme un peu ça. Ça peut faire un bon plan de coupe. Ah. Ok. Une famille de pecnos disparaît et... Oh. Pas des pecnos, les Baker. Jack et Marguerite Baker. Ok, Baker. Une famille normale, plutôt paisible. Il y a pas mal de rumeurs sur leur fils, Lucas. Lui a ma tournée, apparemment. Oh yes. Merde! La drogue.
Je savais que j'aurais pas dû mettre mes chaussures neuves. Je suis un peu fou dans le bayou. Oh putain. Là, on prend tout ce qu'il y a dedans. Mais bon. Non mais frère, même le corps du Covid là. André, t'as besoin de chien de choper là-dedans quoi. Y'a pas le corbeau. André, ah, je voulais grailler un peu de. André. André. Il a disparu l'autre con. Pensy, tu sais où est passé André? Non, il est non, où? Je suis stagiaire. Putain, j'y crois pas. C'est la dernière fois que je bosse avec ce mec. Tu moi sais, je vais les producteurs, ça va, ça vient, mais... On se sépare. Un bon caméraman comme toi, Quincy. Reste près de moi. Le mec, il vient me traiter de débutant, etc. Qu'il allait me virer et tout. Et puis là, d'un coup, bon caméraman. Mon cul, bon caméraman. Donc là, c'est là, la pièce où je crois. C'était quoi, ce truc? T'as entendu? Ah non, j'ai pas entendu. Mais évidemment, trop duc. André? Ah oui, d'accord, c'est lui qui devait ouvrir la porte. Il est où, putain? Il y a quelqu'un. On va se faire rush, on va rien comprendre. Mais ces personnes... André, t'es passé où? Il n'y avait pas un démon en VR. On n'avait pas vu ces personnes. Le mec, il découvre le jeu, quoi. C'est un peu ça, en fait. 3 ans après tout le monde. C'est quoi ce bordel? Ah voilà, c'est pour ça que oui. C'est pas possible, je rêve. J'ai dû le voir. Ah non, d'accord, c'est ça qui est sûr. Je pensais que c'était. On trouve André et on se tire. Tant pis pour l'émission. Je pensais que c'était le. D'accord, ouais. Je pensais que c'était le. Comment ça s'appelle le... La bibliothèque qui s'ouvrait. Ah, on monte tour. Ah non. Je sais plus me baisser. Putain, mais sérieusement. Excusez-moi, j'ai pris l'habitude avec The Last of Us de me baisser avec. C'est pas. Non, c'est même pas où pour se baisser en plus. C'est Days Gone, pardon. Passe devant. Je veux un plan de moi. En train de descendre l'échelle. Ouais, vachement, donc, enculé, va. Passe devant. Vachement, vachement. Je vais me faire grailler mes grands morts. Je vais me prendre. Peut-tout. Tu vois quelque chose? Y'a quoi en bas? Oh, ce serait pas une référence à... Comment ça s'appelle? Blair Witch. Attention. Si, c'est carrément une référence à Blair Witch. C'est vrai, hein. Ah putain, j'ai eu les vibrations. Oh la vache. Là, c'est un hommage, là, c'est pas possible.